trouver ce camp. Un brassard bleu, ça doit être Libertad. Merde, qu'est-ce qu'il tire? Faut pas faire de bruit. Sergent, je vois des traces de sang. Je crois qu'il y en a d'autres. Kéal. Ici Bravo 5, on est sur la plage. On vient de buter une saleté de Libertad. Des traces de Clara Garcia ou de Juan Cortés? Non, malheureusement. Mais j'aurais besoin d'un peloton pour sécuriser la zone. C'est un beau bordel. Toutes nos troupes sont à la recherche des terroristes. Une plage pleine de foyards à noyer, c'est pas prioritaire pour la commandante Rosario. Et je suis censé faire quoi en attendant? Retrouve Clara Garcia et Juan Cortés. Si on les bute, on en finit avec Libertad. Bien, capitaine. Et si c'est pas pour m'annoncer leur mort, pas la peine de revenir me voir. Ugh.
Ciao, c'est la bonne position. Je suis pas la seule personne à rechercher Clara. C'est quoi ? Ça pourrait servir. Rejoindre Libertad, voler un bateau, se tirer loin d'Ira. Facile. Et voilà que je me parle maintenant. Parfait. Oh merde! Les temps sont durs pour les guerriers. Ça fait un bail que je me suis pas servi de ça. Clara veut voir personne. Tu vas oser te montrer avant de me tuer ? Je suis Danny, un ami de Lita. Silencio. Tu es le seul survivant ? Réponds-moi. Je répète, tu es le seul survivant ? Si, quelle chance. Lita savait les risques. C'est tout ce que t'as à dire ? T'es là, c'est ce qui compte. Pas pour longtemps, crois-moi. Je compte bien me barrer d'Ira. Mais t'es dans mon camp. J'ai besoin d'un refuge. Quelques jours. Libertad n'est pas une ONG. Désolée. Mais Lita m'a dit que... Lita disait aussi que t'avais du cran. Come mierda. T'es orphelin, c'est ça? C'est dingue comme les amis peuvent remplacer la famille. N'oublie pas, Danny. Castillo t'a laissé sans famille. Pourquoi tu veux te barrer? J'ai vu Castillo faire exécuter un bateau rempli des nôtres. Tirez-vous aussi loin que possible de ce psychopathe. Tirez-vous. Quand la tyrannie fait loi, la révolution est un devoir.
Cité Bolivar te sauvera pas. C'est de Pedro Albizu. Tu vas sauver Yara avec tes bouquins? Oui, j'ai même une liste. Élection libre, expression libre, des parias libres, un pays sans les Castillo. C'est simple. C'est simple? Castillo à quoi? Dans les 300 000 soldats? Je vois 6 guerrilleros à bout, et toi, avec une balle dans la jambe. Tu ne me crois pas? Je vais te montrer. On a lancé un assaut sur cette île depuis notre base. C'était une opération classique. Attaque de champ de tabac à Viviro, vol de carburant, retour au bercail. Mais les gars de Castillo nous attendaient. Sur 60 guerrilleros, 54 ont été tués. Tu dois retourner à ta base. Oui, mais cette île est soumise à un embargo. On n'a pas de bateau, pas beaucoup d'équipement. Et on ne partira pas avant d'avoir fait cramer cette plantation de Viviro. Mais on est des guerrilleros. On connaît l'île comme notre poche. Tu connais déjà nos passages secrets. Ils ont été construits par les légendes de 67 et s'étendent sur tout Yara. Et maintenant, ils sont à nous. Ils sont parfaits pour surprendre les soldats ou te planquer quand l'armée est à tes trousses. Et ils ont des caches qui t'aideront à survivre. Et les données sont à jour? Cette carte est super vieille. C'était pour les touristes. Non, elle n'est plus à jour. Mais elle indique les régions, les municipalités et les points d'intérêt d'Yara. Tu vas t'y faire. À présent, je dois parler aux habitants du coin pour nous avoir un bateau. Et je veux que tu rejoignes Juan Cortés. Qui ça? Quelqu'un qui peut transformer un guerriero en machine de guerre. Tu sais que je suis pas un guerriero. Et Lita le savait. Je t'offre la bouffe, un lit et même un bateau pour aller voir les Yankees. Mais ça va te coûter des balles et du sang. Tu sais tirer? Alors tire. Installe-toi. Et dis-moi quand tu veux payer ton loyer. Ton loyer. Dani. J'ai attaqué cet archipel avec un homme du nom de Juan Cortés. Il m'a... Rends-toi dans ce village et amène-moi Cortés. J'espère pour toi qu'il est sobre. De la chair fraîche. D'arriver. Une nouvelle tête.
Danny, ton oreillette marche bien, tu me reçois ? 5 sur 5. Du bon matos d'espionnage, Clara. Rien à redire là-dessus. Super. Cache bien ton arme si tu ne veux pas t'attirer d'ennui. Surtout dans les zones truffées de soldats, d'accord ? Ouais, entendu. Évite de te battre si ça n'en vaut pas la peine. Bonne chance. Je devrais ranger mon arme pour éviter les ennuis.